L'ORTF présente Les nuits du bout du monde. Assistante de production, Suzanne David. Prise de son, René Cambien. Les nuits du bout du monde, une émission écrite et présentée par Stéphane Pisella. Un chapelet de souvenirs. Voilà ce que sont devenues ces nuits du bout du monde, parce que des lettres, à plusieurs reprises, me demandaient avec insistance « Parlez-nous de Saïgon, de l'Extrême-Orient. » Et ces lettres qui me demandent cela ne désirent pas autre chose que des souvenirs, le Saïgon, l'Extrême-Orient d'il y a 20 ans. Pourquoi ? Je ne me pose pas la question, la réponse serait trop simple. Sans doute, parce que le Vietnam est à la pointe de l'actualité. D'autres hommes, d'autres femmes y connaissent la vie d'angoisse et de crainte que des Français, des Françaises y ont menée avant eux. Hier, il y a 20 ans, dans les meetings à Hanoï, on brandissait des banderoles sur lesquelles on lisait « Down with French imperialist ». À bas l'impérialisme français. Aujourd'hui, les mêmes banderoles ont réapparu, un seul mot a changé. À bas l'impérialisme américain. La situation a demeuré la même. Seul, l'un des partenaires a changé. Ce que j'ai vu là-bas d'autres journalistes, américains cela, le voient aujourd'hui. Ce qui m'est arrivé pourrait très bien être vécu par un Américain. Et en disant cela, je pense à l'histoire qui suivra cette émission. Elle pourrait se dérouler à la façon d'un film. Version originale, sous-titres français. Et je me reporte 19 ans en arrière. Quand je reprenais contact avec Saïgon derrière deux cercueils, les cercueils de deux Français assassinés dans leur bungalow rue du Général de Gaulle par une bande Viet Minh. Une fumée noire, épaisse, montait des quais. Un peu devant la poussée sur la ville qui sentait le caoutchouc brûlé. Les rues étaient désertes. Rentré à l'hôtel, je m'allongeai sur des draps tièdes et dressai un bilan de mes dernières impressions, mes dernières journées. Je pensais à ces journées et ces nuits de fièvre aux portes des temples d'Angkor, à Siem Reap. La fièvre me dévorait. J'entendais les coups de feu dehors. Je retraçais tant bien que mal les événements qui m'avaient amené ici avec la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. 900 kilomètres, 3 jours de route, Phnom Penh, le Tonle Sap, Kompong Tom, et puis ce fut Siem Reap. Des coups de feu isolés. À l'extrémité du village en paillotte, un jardin aux herbes brûlées par le soleil. Au milieu, la carcasse d'un avion incendié. À droite, un tigre dans une cage et dans le fond, le grand hôtel transformé en fortin. Dans le hall, allongés côte à côte sur le carrelage, mousquetons et grenades à portée de la main, des hommes moitié nus, la peau brûlée par le soleil, cuivrée par la poussière rouge des pistes,
dorment. D'autres, les nerfs encore trop tendus pour dormir, écrivent la première lettre après le dernier coup de feu. Du bar vient la musique d'un disque. Ils auraient pu choisir un endroit tranquille pour dormir, pour écrire. Non. Ils se sont rassemblés dans l'endroit le plus vivant de l'hôtel. Près de cette musique de bar, près de ceux qui vont et viennent d'un dispositif de sécurité à l'autre, en donnant des ordres. À Siem Reap, mieux que le silence, ces rumeurs reposent les nerfs. Elles sont familières. Le silence, lui, est hostile. Traître. Dans le bar, criblé d'éclats de grenades, seul à une table, le dos tourné à la grande glace trouée par les balles siamoises, avec deux bracelets d'or, un pour chaque poignet, et quatre galons ternis sur les pattes d'épaulette, un homme aux yeux bleus dans un visage mat, Sarat, chef des commandos terrestres du Cambodge, un homme de baroud et d'aventure. Et c'était Sarat qui m'accueillait à Siem Reap. Un souffle d'air traverse la chambre. Je rêve. Je rêve en délire. Et voici que reviennent sous la moustiquaire les yeux verts. La fièvre coule dans mes vertèbres un liquide glacé. Les cloches carillonnent toujours dans mes oreilles. Un son grêle domine, celui d'une clochette isolée. Elle est dans le bar, cette clochette, dans la main d'un soldat à genoux. L'aumônier a revêtu la chasuble des dimanches. Elle est vieille, toute fripée. Mais comme elle est belle pour les gars de Siem Reap. L'aumônier récite les prières. C'est le 15 août, 5 heures de l'après-midi. La messe, on ne pouvait pas la dire avant. Avant, il y avait le coup de feu, les blessés à soigner. L'aumônier barbu lève l'hostie dans le bar de Siem Reap, et ce n'est pas une messe comme les autres. Pas de chant, pas d'orgue. L'hôtel est dans un bar, derrière les martinis et les flacons de pastis. Il n'y a qu'une clochette et le murmure des hommes en chemisette kaki, des gars de 20 ans qui récitent « Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Elle était bien cette messe du 15 août. Elle mordait au cœur. Quand je l'évoque, simple, avec ses quatre bougies, sa petite clochette, toute simple mais sincère, je lui mets des lumières d'orgue et le bar de Siem Reap, je l'habille en cathédrale. Ainsi j'évoque, terriblement précise, cette nuit d'août, à deux pas de la frontière siamoise. Je me revois, la crise passée, la fièvre tombée. Je me traîne, à la recherche d'un peu de fraîcheur, jusqu'à la fenêtre. Dans le jardin, les projecteurs continuent leur besogne. Lentement, ils détruisent les mêmes ombres. Leur faisceau prend en même temps la carcasse de l'avion et le tigre. Il est couché dans sa cage. Il ne grogne plus. Sans doute, est-ce la clarté mouvante qui l'impressionne ?
le ciel pâlit. Des voix s'élèvent sous ma fenêtre. Je reconnais celle de Sarah. Combien d'heures a-t-il dormi depuis le 12 août, depuis que cette histoire a commencé? L'aube grise tient le grand hôtel et son jardin, la route et les villages de paillotes. Les bêtes se taisent. Seules parlent les armes automatiques par saccades. Le sommeil enfin danse dans ma chambre. Il enveloppe ma question. Mais comment? Comment cette histoire a-t-elle commencé? Et la question danse dans la valse du sommeil insaisissable. La nuit blanchit. Des épingles piquent mes paupières lourdes. Je ne verrai pas le jour qui vient dans un souffle de fraîcheur. Dormir. Dormir. Quant à savoir comment, comment cette sale histoire a commencé, je demanderai plus tard à Sarah le baroudeur ou à l'extraordinaire Monsieur Arnaud. Monsieur Arnaud, stick de Jean et képi blanc. Arnaud le légionnaire. Arnaud. On m'avait prévenu avec quelle admiration. Une vraie tête de cabochard. Et nous avons sympathisé dès la première poignée de main. Il fut mon cadet sur les bancs du Britannique militaire de la Flèche, mais là-bas je ne l'avais pas connu. Le commandant Arnaud m'attendait le 15 août à 15 heures. Je vous emmène au temple d'Angkor. Nous sommes trois dans la Jeep. Trois et Peggy, chienne de race qui adore le corned beef et déteste les femmes. La route de Siem Reap au temple est déserte. Des troncs d'arbres abattus marquent les embuscades et sur cette route étroite, rouge, déchirure saignante de la jungle, on est à la merci d'un franc-tireur tapi dans les bambous. La route va toute droite jusqu'au choc qu'elle vous prépare après un dernier virage. Le dernier devant. Ici, je n'ai plus de mots. Les mots se sont tassés à la mesure des âmes et je reste muet près de leur monde immobile devant les bassins aux nénuphars, les colonnes, les tours, les temples d'Angkor. Angkor, cœur d'un royaume mort que gardent des géants de pierre et reproduit 100, 1000 fois le serpent Naha. C'est lui qui, avec ses 7 têtes, a bu toute l'eau des marécages qui couvraient la campagne. Ciel lourd et sans soleil, douves tranquilles aux reflets de métal, les tours, toutes les tours du temple des temples se dressent couronnées de monstrueuses tiares sculptées. Une enceinte rectangulaire d'un kilomètre de côté coupée de portes monumentales. À l'entrée principale, 2 têtes de Naha. Entre ces têtes sur les dalles, il y a du sang séché. Une allée, la grande, la principale, dans une haie de statues monstrueuses. Des dizaines et des dizaines de monstres accroupis portant un serpent immense. Les Devas et les Asuras, bons et mauvais génies. Leur serpent est le fameux Vasuki, celui-là même qui de sa queue frappait les profondeurs de l'océan et ainsi le barattait pour en extraire l'ambroisie des dieux. Des jardins aux herbes folles. Autour des temples, les paillotes sur pilotis, des bonzes bouddhistes. Les escaliers d'Angkor sont abrupts, dangereux. Étant donné que des accidents peuvent se produire pendant la visite, les autorités informent les visiteurs qu'elles déclinent toute responsabilité. Cet avertissement sur papillon jaune est affiché au sommet des marches. On aurait pu en placarder quelques-uns dans le bas. Monter n'est pas difficile, mais redescendre ces marches hautes, étroites, d'un escalier presque droit, est une entreprise vertigineuse. En haut d'un de ces escaliers aux marches usées, assis au bord d'un gouffre noir d'où monte l'odeur écœurante des chauves-souris, veille un Bouddha. Il veille sur le disque d'or. Le disque d'or, nul ne l'a vu, mais dans la région, chacun croit à son existence et les audacieux qu'il a attirés au fond du gouffre ne sont jamais revenus. Au pied de l'escalier, tout au long des galeries, sous le regard des Bouddhas court la farandole des danseuses apsaras et des bas-reliefs presque intacts
retracent en sculptures étonnantes l'histoire du pape Khmer. Au-delà des galeries, des bassins en nénuphar, puis d'autres galeries, et, dans l'endroit le plus frais du temple, le poste de garde de la Légion. Claquement de talons, un homme au képi blanc s'avance. Un pastis, mon commandant. Une table, des chaises, des verres, un bloc de glace fabriqué sur place par les hommes d'Arnoux. Tout le confort Légion est là avec le meilleur pastis. Oui, au cœur des temples d'Angkor. Un soir de ce mois d'août à Bagar, à 100 mètres de la tache de sang, entre les deux naras, j'ai bu. Comment voulez-vous oublier une chose pareille ? Sur la terrasse du roi lépreux, j'ai bu un vrai pastis à la marseillaise. Il était d'une saveur sans pareille, le pastis glacé des légionnaires sur cette terrasse des temples khmers. Dans Corvat à Angkor Thom, la route n'est pas longue. Des traces d'embuscade dans la forêt silencieuse et, au bout d'une allée, la première porte. Voûte que surmontent quatre faces sculptées tournées vers les quatre vents. Sous la voûte et tout autour, des légionnaires barbus achèvent la cuisson du dîner. D'autres perfectionnent les installations de nuit. D'autres encore creusent des abris pour les fusils mitrailleurs pointés vers le bâillon. Le bâillon, vision que je n'évoque jamais sans malaise. Il domine la forêt de ses 50 tours. Chacune est surmontée d'une quadruple effigie. La même tête répétée 4 fois dans la direction des 4 points cardinaux. Le temps en a rongé plus de la moitié. Des 200 têtes, il ne reste plus que 96. 96 têtes de pierre impassibles qui vous guettent, que vous ne pouvez fuir dans l'enceinte du bâillon. La tête de pierre, vous la retrouvez à chaque pas, partout, toujours, où que vous alliez, à droite, à gauche, au nord, au sud, la même tête. Une obsession. Un malaise descend de ces masques de pierre, de cette bouche 4 fois bouche, de ces yeux 4 fois 2 yeux, la bouche, les yeux, que certains croient être ceux de Siva. 96 fois Siva. 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 On se heurte à Siva comme à des barreaux de cauchemar. Seul peut chasser l'obsession le grand Bouddha doré, haut comme 3 hommes, accroupi à quelques pas du bâillon, sur un carré de terre battue que recouvre un toit en paillote. Le jour s'en est allé. Une ombre bleue couvre les bassins en nénuphar. La jungle sort du sommeil. Le cri des bêtes de nuit se fond dans un chant d'oiseaux. Le chant gagne la nuit, mesure par mesure, et son rythme s'en va, régulier comme des pulsations. Les pulsations du cœur innombrable qui bat à grands coups tranquilles dans la jungle cambodgienne. Nous sommes revenus à la grande chaussée d'Angkor Wat. On ne voit plus les taches brunâtres du sang tombé goutte à goutte d'une poitrine déchiquetée.
Le sang du dernier mort dans le corps a pris la teinte des pierres de nuit. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Dans cette histoire, on n'a jamais pu savoir qui tomba le premier. Peut-être Grégoire, lieutenant des douanes, assassiné dans son lit, achevé sous les yeux de sa femme. Peut-être est-ce Jaubert. La nuit tout entière a pris possession des temples. Était-elle aussi lourde, pleine d'angoisse et de menaces, celle du grand drame? Était-elle aussi lourde, aussi pleine d'angoisse et de menaces, celle du grand drame qui commença par un bal? Oui, par un bal. Des femmes, clientes du grand hôtel, et des convalescents, dansaient encore, près de la bonzerie, où les moines donnaient une séance d'ombre chinoise. Peu de temps avant l'attaque. Oui, on dansait encore. 5 heures avant l'attaque, 5 heures avant l'appel de Jaubert. Allô, Phnom Penh, ici maréchal des logis Jaubert. Le camp est attaqué. Puis le silence. Allô, Siem Reap. Allô, Jaubert. Allô, Jaubert. Jaubert ne répondait plus. Jaubert, parlez. Il y avait un cadavre au bout du fil. D'autres appels devaient suivre. Ici Siem Reap. Attaqués ce matin par bandes siamoises, ne pourront plus tenir que quelques heures faute de munitions. À Phnom Penh, l'énervement gagnait les hommes prêts au départ. 315 kilomètres. Le Tonlé Sap à traverser sur un vieux bac, cela demandait une journée. La bagarre avait commencé à 3h50 par un coup de feu suivi d'une rafale de mitraillette. Le grand hôtel, centre de convalescence occupé par des militaires, des femmes, des enfants, est cerné. Un officier sort de sa chambre, se trouve nez à nez avec un siamois. Il l'abat. Dans le bureau de réception, un autre siamois compulse tranquillement des fiches. Il est tué d'une balle partie on ne sait d'où. Lancé de l'extérieur, des grenades éclatent dans l'hôtel. Sous les ordres du lieutenant de Cassagnac, les convalescents armés de 36 fusils russes occupent les emplacements désignés. Le feu des assaillants, nourri, violent, jette la panique parmi les femmes et les enfants. Les capitaines Doré et Drouin organisent la défense. Par leur sang-froid, afats et infirmières réussissent à calmer mamans et bébés. Les ordres circulent. Ménagez vos munitions. De Cassagnac est découragé. Depuis une heure, il tente une sortie pour arriver jusqu'au scout-car et foncer sur Phnom Penh. Il faudra une heure encore et le capitaine Doré, suivi de quelques hommes, réussira la sortie. Il réussira, mais l'aspirant Boutega tombe à ses côtés, tué net. 18 heures après l'attaque, Sarat arrive dans sa jeep, précédant les détachements qui ne le rejoindront qu'à l'aube. Je croyais ne plus trouver personne, dit Sarat. Les abords de l'hôtel puent le cadavre. 37 siamois sont dénombrés sur les pelouses, torse nu, foulard noir autour du cou, et sur le front, un foulard rouge orné de signes mystérieux et d'inscriptions bouddhiques qui promettent l'invulnérabilité. Parmi eux, 2 chefs, reconnaissables à leur plastron écarlate. Tous sont remarquablement équipés. Fusils japonais, ou mitrailleuse Sten, grenade japonaise et, accrochée à la ceinture, une boîte emplie d'essence et d'un mélange explosif, le cocktail Molotov. Ils étaient plus de 300 assaillants. Les survivants se sont réfugiés dans les ruines où de temps à autre apparaît leur chef, le prince Changrazé, porteur des attributs royaux cambodgiens.
Il faudra 3 jours d'escarmouches, d'embuscades pour les déloger de ces positions qui, en d'autres mains, seraient imprenables. Côté pirate, 1 centaine de morts. Côté français, des disparus. 2 prisonniers retrouvés dans la brousse, nus, la nuque trouée. D'autres morts, dont le capitaine Briand tombé devant encore Tom en criant « Continuez, les gars !» Et le commandant de Villemejeanne qui disait « Il y a 2 mois à peine, enfin j'ai un fils. Je l'aurais attendu 20 ans. » Le fils du commandant de Villemejeanne est en France. Il aura bientôt 20 ans. De son père, il ne connaîtra jamais que des photos, des récits, comme celui de la nuit de Siem Reap. Il y a des années de cela, des âmes attaquées dans un centre de convalescence sont tombées. Pourquoi ? Il n'y avait que des femmes, des enfants, des malades à Siem Reap, presque sans défense. Oui, mais Siem Reap est à la frontière siamoise. Je rêve en délire. Je rêve à ces nuits d'encore. Qu'attendez-vous de moi ? Que je vous dise, fidèle à la tradition, et pareil à ceux qui m'ont précédé jusqu'à ces temples, leur majesté, leur beauté, que je reprenne les clichés ? Non. N'attendez pas cela. Pour moi, les nuits d'encore sont laides et cruelles. Il n'y avait, dans celles que j'ai connues, que les masques effrayants du Bayonne, la plainte des chauves-souris dans les ruines, une tache de sang d'homme sur une dalle. Le commandant Arnaud m'attend à 2 kilomètres de l'hôtel. Soyez exact, demain matin, 5 heures. 2 kilomètres. Nuit noire. On n'y voit pas à 3 mètres. Je connais mal la route. Les Siamois sont disséminés au long de ces 2 kilomètres. Arnaud m'attend à 5 heures. C'est de la folie, dit Sarah. Un petit Corse des environs de Corté qui a fait le coup de feu toute la nuit murmure dans notre langue « Tu es fou, tu vas te faire tuer avant de sortir du jardin. » Peu avant 5 heures, une traînée blanche s'installe dans le ciel. Le jour n'est plus loin. Les rafales s'espacent. Un bruit de moteur roule vers l'hôtel. Une jeep. La jeep d'Arnaud. Un chic type, le commandant Arnaud. Il a compris, il est venu me chercher. En route, la jeep fonce à toute allure. Arnaud conduit. La chienne est assise entre nous. Derrière, un légionnaire blond, un gosse, surveille la route, les bas-côtés. Sa mitraillette est prête à partir. Pas d'arme, Arnaud ? Jamais. L'arme d'Arnaud, c'est son stick. Quelques coups de feu nous suivent. En trombe, la jeep traverse un village. Très mauvais, patelin. Ce qu'il faut, c'est tenir une demi-heure jusqu'à Kompong Tom. Après, c'est du nougat. À Kompong Tom, Arnaud stoppe. On est passé, le plus dur est fait. Un hôtel ouvre ses portes. Un boy endormi sert 3 cafés tièdes. Ajoute 3 filles, ordonne Arnaud. À cette heure-ci ? Oui, c'est fête aujourd'hui. C'est l'anniversaire du gosse. Il a 20 ans. Le légionnaire sourit. Rougit. Il a eu 20 ans ce matin. Et avec son anniversaire, l'honneur de cette balade dans la jeep du commandant, une balade d'où l'on aurait bien pu ne parvenir. Mais Arnaud,
porte la baraka. La jeep me dépose sur le bord du Tonlé Sap, s'éloigne vers la ville. Le jour se couchait sur la rivière que remontaient quelques jonques silencieuses. La route fuyait dans une poussière dorée. Accroupie près du fleuve, une femme roulait des cigarettes qu'elle alignait devant elle sur un carré de toile crasseuse. Elle en serrait une feuille de papier dans la fente d'un bâtonnet, tassait le tabac blond dans la feuille, maintenait le tout dans la paume de sa main droite et d'un mouvement rapide, faisait tourner le bâtonnet entre les doigts de la main gauche. En 3 secondes, la cigarette était roulée. Un pouce me suivait des yeux. Je lui fis signe de venir me prendre et le laisser aller à sa fantaisie. Il me conduisit au rond-point du Phnom que gardaient autrefois des tigres royaux et que seuls surveillaient à présent des dragons d'émail et un aras de pierre couché sur la rampe du grand escalier qui mène au sommet. Là-haut, sur le monticule, tintaient des clochettes, et à l'intérieur de la pagode, des bons au crâne et aux sourcils rasés chantaient la prière du soir. Jamais, je le regrette, je n'ai eu l'occasion de m'entretenir avec ces moines qui passent indifférents à toute chose, le regard perdu dans une méditation infinie. À quel rite appartiennent-ils, ceux du Phnom ? Je n'ai pas voulu le savoir. Il me suffisait d'imaginer Gautama, fils du roi de Kapilavatsu, petite principauté du Gange, et de penser qu'ils appartiennent à son enseignement. Gautama. Jusqu'à 29 ans, il vécut dans les plaisirs. Un jour, il découvrit l'illusion de ses joies, le sentiment de son inutilité. Il abandonna son palais, ses jardins, son faste et ses plaisirs, ses épouses et ses enfants pour mener la vie de l'ascète mendiant. Pendant 6 ans, il endura toutes les privations et médita dans un endroit désert qui se nomme encore aujourd'hui Bouddhagaya. Il consacra le reste de sa vie à parcourir les Indes, expliquant les lois de l'existence, la vertu des actions méritoires, le mépris des choses extérieures, et prêchant, comme la fin de toute existence, le nirvana. Pratiquant l'ascétisme et la mendicité, ses conditions premières étaient au nombre de 5. La continence, la pauvreté, l'humilité, l'abstraction du monde, l'amour de toutes les créatures vivantes. Il mourut à 80 ans, entre 2 arbres de sal, dans un bois de Kusinara, 543 ans avant Jésus-Christ. Les moines du Phnom colportent-ils son enseignement ? Comme lui, Gautama Bouddha, ils ont rasé leurs crânes et leurs sourcils. La règle les oblige à les raser 2 fois par mois. Leur robe jaune est faite de morceaux rassemblés. Pourquoi ? Parce que Gautama, ayant abandonné ses habits princiers, les échangea contre les haillons d'un paysan. Les haillons étaient couverts de terre, et c'est la raison pour laquelle la robe des moines bouddhistes est couleur de la terre, jaune ou ocre. Dans leur promenade, ils ne marchent jamais 2 de front, ils vont toujours en file indienne. En dernier viennent les bonzillons. La marmite qu'ils portent est un symbole, celui de leur grade. Novice, serviteur, chargé des ouvrages les plus bas. J'ai écouté ces moines chanter leur mélopée sur ce monticule haut de 30 mètres où parvenaient étouffées les rumeurs de la ville. Par une fenêtre aux carreaux brisés, j'ai vu entassés dans une pièce sombre, sorte de vestibule, des ex-voto. Un amas étrange d'où émergeait une jante d'automobile, un seau rouillé, une vieille chambre à air pour bicyclette, une machine à coudre hors d'usage, le portrait en 3 couleurs de Chiang Kai-shek et 3 réveils matins. J'ai contourné la pagode. Sur le seuil d'une maisonnette à l'écart du temple, une femme faisait cuire quelque chose de puant. À des branches pendaient des cages pleines d'oiseaux. Eux aussi chantaient leur prière du soir.
une grande paix baignait le Phnom, et je découvrais qu'elle était semblable dans son atmosphère tranquille, sereine, délivrée, à la grande paix qui rayonne des monastères chrétiens. C'est sur le Phnom que j'ai découvert combien j'aurais aimé vivre à Phnom Penh. Pourtant, mon séjour fut bref, et j'y ai vu peu de choses, et si rapidement. L'éclat des plaques d'argent dans la pagode n'est plus assez fort pour m'éblouir. Je revois le sourire du roi, les dents blanches à travers la coupe de champagne qu'il levait à hauteur de ses lèvres, à la France, à l'école de Saumur. Il me montrait, accroché au mur de son bureau, les photos du cadre noir, de ses chevaux. Il les soulignait toutes d'un éclat de rire enfantin, le roi souriant du Cambodge qui n'est plus aujourd'hui que le prince Norodom Sihanouk. Je revois le sourire du roi et celui mélancolique des petites filles qui apprenaient à retourner leurs mains. On pouvait tendre en arrière, jusqu'à toucher le poignet, les doigts de ces enfants qui, 6 heures par jour, se livraient à une véritable torture pour assouplir leurs membres. Leur rêve, égaler les danseuses royales qui dansent au palais cousues dans des robes d'argent, lourdes à plusieurs kilos. Je revois ces moments qui m'ont fait aimer Phnom Penh. Sans doute, s'il n'avait été si bref, l'aurais-je aimé davantage, cette ville allongée dans ses jardins, plus riante que la plus riante de nos villes méditerranéennes. Phnom Penh s'anime après les heures de chaleur à la tombée du soleil. C'est l'heure où la colonie française se retrouve autour de la piscine du cercle ou sur la terrasse de l'hôtel royal. Musique de pick-up, cancans et boissons glacées. Alors qu'en Cochinchine, en Annam, au Tonkin, les villes meurent quand vient la nuit. Phnom Penh semble se réveiller aux lumières. Passé 9 heures du soir, ce n'est pas entre l'hôtel royal et le cercle que j'aimais à flâner. Les lumières qui m'attirent étaient bien plus loin, dans la grande rue aux boutiques chinoises, où retentit le curieux appel rythmé sur claquettes de bois des marchands de soupe ambulants. Près du quartier moderne, attiré par une débauche de lumière, les coolies viennent déguster un bol de riz dans les restaurants à roulettes, sortes de buffets en bois, revêtus de peintures éclatantes et qui reflètent dans leurs miroirs des lampions bariolés. Sur le pas des portes, à l'intérieur des boutiques, quelques Chinois accroupis autour d'une table basse jouent au mahjong. Les rumeurs s'éloignent quand on abandonne cette rue pour contourner un terre-plein gazonné. Là viennent mourir les lumières. On se croirait dans le jardin d'une petite ville de province. Phnom Penh danse en Normandie, sur la terrasse de l'hôtel royal, et dans le jardin parfumé du petit Tricotin. Le parfum ne vient pas du jardin, mais des bouquets, des bracelets, des colliers de fleurs que les petites filles offrent aux danseurs. Phnom Penh, une ville calme, pleine de douceur et d'insouciance. Je me suis écarté de l'hôtel royal, du petit Tricotin. J'ai marché dans l'avenue vers le Phnom. La pagode était silencieuse. On avait décroché la cage aux oiseaux. Venu pour retrouver la solitude douce et tranquille découverte à ma première promenade, j'ai fui. Toute trace de sérénité avait disparu sur le Phnom. Les arbres malingres, tordus, m'environnaient. Des reflets de lune les animaient, et l'on aurait dit de leurs branches nouées comme des bras tendus. Il frémissait sous la lune et la brise très légère qui courait autour du Phnom filait dans les branches comme un murmure ou un rire étouffé. Les arbres vivaient, les arbres bougeaient, les branches murmuraient, riaient. Je suis parti. Je n'avais plus rien à faire près de la pagode. Plus exactement, ne souriez pas. Les murmures,
les rires étouffés de ce monticule qui soudain vivait d'une vie insoupçonnée, me chassaient. Vous venez d'entendre Les nuits du bout du monde. Assistante de production Suzanne David. Prise de son René Cambien. Les nuits du bout du monde, une émission écrite et présentée par Stéphane Pisella.